Salut les crypto-lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 6 du 5 2024 du petit journal des crypto-monnaies. On commence tout de suite par CoinMarketCap et qu'est-ce que tu vois sur CoinMarketCap? Le market cap perd 1,35% à 2,34 trillions de dollars. Nous avons le Bitcoin qui perd 1,43% en 24 heures, Ethereum qui perd 2,16%, suivi du Tether, BNB qui perd 0,35%, le Solana qui gagne 3,75% et un beau 12,96% sur 7 jours, USDC qui est en 6e position, suivi du Ripple, et qui pas mal, le petit Ripple de Jean-Pierre Giffard, nous fait un 4,18% et 7,24% sur la semaine. On a le Dogecoin qui perd 3,17%, mais il nous fait quand même 9,89% sur la semaine, et on a le Toncoin, le tien, tu sais, et le Toncoin nous fait 12,18%. Ce qui est plutôt pas mal sur la semaine, suivi de Cardano qui est toujours en 10e position. Va-t-il sortir du top 10? Ce serait mérité. Voilà, c'est tout pour le CoinMarketCap. Maintenant, si tu es nouveau, n'hésite pas à nous rejoindre sur le compte Twitter, enfin X, mais moi je dirais toujours Twitter, enfin non, je suis pas, hein, voilà, mais sur le compte X de la chaîne, c'est @WillTamer. On est 15 100 abonnés, n'hésitez pas. Là-dessus, je poste. Et je mets quelques petites informations de manière quotidienne. Voilà, alors j'ai des abonnés qui m'avaient demandé d'analyser la dominance des alts, du Bitcoin. Ce sera fait aujourd'hui, mais en premier, on va analyser le Bitcoin et sa clôture hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui s'est passé après l'analyse technique que nous avons faite la semaine dernière. Donc, je vous avais quand même expliqué que lorsque le Bitcoin en daily, on revient quand même sur le truc de la semaine dernière, en daily vient dans la moyenne mobile 100, généralement c'est suivi d'un petit pump. Tu vois ici, pop, pop, pom. Hop, on va prendre cet exemple-ci, ben voilà, on a fait 88%. Mais alors, si tu regardes historiquement, c'est arrivé plein de fois, on est sorti de la moyenne mobile 100 et on est venu chercher un nouveau plus haut. Donc n'hésite pas à regarder la vidéo de la semaine dernière, tu la trouveras à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va analyser la clôture de la semaine car nous sommes lundi et hier à 2 h du matin, nous avons la clôture de la semaine sur le Bitcoin. Hop, voilà, badaboum. Donc, ici. Donc ça c'est la nouvelle semaine qui a commencé, ça c'est la clôture de la semaine dernière. Et la semaine dernière, je vous avais dit, faites attention, il y a un dead cross qui est en train de se préparer sur le MACD. Effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. On a bon un dead cross qui est en train de se produire sur le MACD. Pourtant, on a quand même eu un beau chandelier japonais, je vous expliquerai ce que c'est après. Alors la dernière fois que aussi haut nous avons eu un dead cross sur le MACD, nous étions ici au mois d'avril 2021 après le all-time high, ça a corrigé puis ça remontait. On a refait un deuxième all-time high à 69 000 dollars, puis bon ça a bien corrigé, on a eu notre bear market, puis c'est remonté, hein, on a eu notre bull, pas bull run, mais un bull market, donc un marché haussier. Il faut comprendre qu'il y a le bull run. Un bull run, c'est pendant une courte période de temps, 2, 3, 4, 5 semaines, ça pump à mort. Ça s'appelle un bull run. C'est le taureau qui court. Et sinon, il y a le marché haussier, un bull market. Et bien là, depuis le mois d'octobre, novembre 2022, on est quand même à quelque chose de plutôt pas mal, hein. Voilà, on a fait 300% sur le Bitcoin. Ça, c'est un bull market, c'est un marché haussier. Ben, c'est pas compliqué, ça se voit. Je pense que j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tu viens ici, tu viens là, tu fais ça. Voilà, tu es sur le marché haussier du Bitcoin. On va même faire ceci, ça fait partie de mon analyse. Donc, on part du marché haussier du Bitcoin. Hop, voilà, tac, 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 voilà. Donc, tu vois qu'on est dans un canal haussier. Alors, sur la semaine, ici, la semaine dernière, on va analyser ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, là, tu vois que tu as un dragonfly. OK? Ça s'appelle un dragonfly. Alors, qu'est-ce qu'un dragonfly? Donc, c'est un chandelier dragonfly. Voilà. C'est une libellule. Tout simplement. Chandelier japonais. Si je me parle japonais, ça va pas aller. Tac. Voilà. Le chandelier japonais Dragonfly est un type de chandelier japonais qui se caractérise par une forme de libellule. Il est considéré comme un signal d'indécision sur le marché, où les acheteurs et les vendeurs sont en équilibre.
Il peut apparaître à la fin d'une période de baisse de prix, ce qui peut indiquer un retournement de tendance à la hausse après une baisse de prix. Ce chandelier est composé d'un corps et d'un chandelier qui est aussi presque nul. Donc un dragonfly, c'est ceci. Tu vois, hop, on va mettre la photo. C'est ça. Mais nous, c'est pas tout à fait ça qu'on a. Tu vois, si je te montre, en fait, nous, on a ça. Tu vois? Donc, c'est pas vraiment un dragonfly. Moi, j'appelle ça un dragonfly. Hein, c'est plus ça, un dragonfly. Tu vois? Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, les vendeurs, pendant toute la semaine, ils ont voulu descendre. Ils sont descendus, descendus, descendus. Ils sont descendus jusque 56 764 dollars. Mais les acheteurs, eux, ils se sont dit non, pas moyen. Ça peut pas arriver, ça. Nous, on va remonter. Et pendant, il y a eu un combat et c'est les acheteurs qui ont gagné parce que tu vois que de 56 700, ils sont montés au-dessus de l'ouverture et ils ont quand même, ils sont montés jusque 65 000 et ils ont clôturé à 64 000 dollars. Donc ils ont quand même montré un signal assez fort aux vendeurs. On ne veut pas descendre plus bas que les 56 800 dollars, on va dire. Malheureusement, le corps, tu vois, du chandelier, il n'est pas folichon, tu vois. La clôture ne dépasse pas la précédente clôture. Et tu fais un haut plus bas que le précédent. Et un bas plus bas que le précédent. Conclusion, c'est bien. Wiltemer, il kiffe les conclusions. Mais ça change pas grand-chose où je m'implique. D'ailleurs, cette semaine et aujourd'hui, tu vois qu'on a commencé à 63 000 dollars. Non, pardon, on a commencé à 64 000 dollars. On a essayé de venir plus haut, on est monté à 65 000, mais depuis, on est en train de chuter. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même analyser la semaine, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette semaine. Donc, on passe sur le daily. Voilà, et sur le daily, tu vois, je te l'ai entouré. Tu vois vraiment le Bitcoin qui, on est là lundi, hein, qui a chuté d'un coup, bam, il a rebondi sur la moyenne mobile 100. Puis après, comme c'est un grand chandelier, les vendeurs ils se sont dit, ouais, mais on a fait un avalement baissier. Un avalement baissier, c'est quand avec un chandelier, tu avales un certain nombre de jours. Et là, c'est pas un petit peu, hein. Tu avales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. 11 jours. Même plus que ça, parce que le plus bas ici, la dernière fois que tu l'as eu, c'était là, le 24 mars. Et là, tu es le 30 avril. Donc, beaucoup plus d'un mois. Tu as eu un avalement haussier sur tout ça, toute cette période-là. Du coup, les vendeurs, ils se sont dit, bah, on est en force. Conclusion, le lendemain, bam, ils ont chuté encore. Mais par contre, le lendemain, ils n'ont pas su descendre plus bas que les 56 000 dollars. Ça a fait, les acheteurs se sont réveillés et ils se sont dit, on ne peut pas descendre plus bas. Pourquoi? On va regarder un petit peu ici. On va se remettre en weekly. Hop. Désolé. Alors, sur le weekly, en fait, voilà. Si tu observes, attends, voilà, le plus bas ici correspond avec ici cette petite zone de résistance qu'on avait et pile poil là, tu vois. Et du coup, ils se sont dit non, ça c'est avant le bear market, on ne veut pas descendre plus bas, tu vois. Et aussi, tu es sur la médiane ici du canal haussier du marché haussier, tu vois, du bull market. Tu vois vraiment que on est dans un canal et qu'ici on rebondit sur la médiane, hein, plus ou moins. Tu vois bien qu'ici on rebondit dessus. Encore une fois, tout ça c'est plus ou moins parce que c'est très compliqué de pouvoir faire. Voilà. Hop, tu vois qu'ici ça rebondit. On est monté, on a buté sur la médiane, on a rechuté, on a rebondi sur le support, on a remonté, on a cassé ici la médiane, on a fait un pump du coup. Hop, mais on a rebondi sur la résistance et maintenant on descend et on rebondit sur la médiane. Alors est-ce qu'on va percer la médiane et venir chercher le bas du support qui correspondrait plus ou moins à un ancien plus haut ici, ou est-ce qu'on va repartir à la hausse? Compliqué à dire, surtout que ici tu as les deux moyennes mobiles qui s'enchevêtrent. Tu vois, on a la moyenne mobile 25 qui est en même temps que la moyenne mobile 50 sur du weekly, du monthly, pardon. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est du monthly, je me suis trompé, je suis désolé. Donc voilà, on va recommencer. Hop, voilà. On est quand même sur la médiane, tu vois, sur du weekly, donc ça revient à la même chose. Mais du coup, tu as la moyenne mobile 25 qui monte, qui va peut-être jouer deux supports sur cette médiane. Donc le Bitcoin, le prix va peut-être encore chuter, peut-être venir chercher les 60 000 dollars
pour remonter, venir chercher en plus haut sur le haut du canal. Ou alors, ben, il va percer en weekly et il va venir chercher plus bas du canal. À ce niveau-ci, tu vois, parce qu'ici, tu vois, tu as eu toute une zone de résistance. Hop. Je suis désolé, les gars, j'ai eu une longue journée, j'ai commencé à 7h. Et il est 20h23 quand je vous fais votre vidéo. On va peut-être venir chercher cette zone-ci entre 39 et 44 000 dollars. Je dis peut-être, hein. Tu vois que ça va arriver. Mais voilà, c'est tous les scénarios qui sont plausibles. On va regarder un petit peu ce qui peut se passer sur la semaine. Alors, cette semaine-ci, donc, on est en daily. Moi, ce que je vois, c'est que tu as eu un Golden Cross ici sur le MACD. Il est en négatif. Regarde, moins 1100. Tu as deux petits histogrammes. Tu as du volume qui est en berne totale. Franchement, le Bitcoin n'a pas réussi à percer la moyenne mobile 50. Il est en train de traverser la 25. Ça veut dire que la 25 va continuer de chuter, va venir chercher la moyenne mobile 100. On peut venir vraiment chercher cette zone-ci. Maintenant, sur du daily, ben, il y aura peut-être aussi cette zone-là. Moi, ce que je vous ai montré, c'était une zone. Hop. Et à cette zone-ci aussi, hein, je vous en ai déjà parlé, entre 50 et 55 000 dollars, plus ou moins 50 et 53 000 dollars, on va dire, qui est aussi une bonne zone tampon. Et en tout cas, si on va casser la médiane, et il y aura la moyenne mobile 200 daily qui sera là pour venir en même temps, comment dire, supporter cette petite zone ici de compression que nous avions eue dans le passé. Voilà, ça c'est l'analyse du Bitcoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Il me reste encore une personne à répondre. Et voilà. Alors, on va quand même passer sur ce que m'ont demandé les abonnés. On va regarder un petit peu Total 2. Alors, le Total 2, qu'est-ce que c'est? Le Total 2, c'est la market cap des altcoins. Alors, sur les altcoins, moi, je regarde seulement en monthly pour voir un petit peu où est-ce qu'on nous en sommes. Alors, sur du monthly, ben, c'est pas folichon parce qu'en fait, tu vois que les histogrammes sont déjà en plus clair, donc ils ont vraiment déjà à chuter. Okay. Donc la dominance, alors ça fait 3 mois que la dominance des alts chute par rapport au Bitcoin. En plus, on a fait un top par rapport à celui-ci. En fait, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Je vais vous les montrer. Désolé. Hop, voilà, on prend un arc. Donc il y a deux possibilités. Soit tu as fait un top, un double top ici. Tu fais un cup. Et après, là maintenant, tu viens faire un handle. Alors si tu fais un cup and handle, généralement quand c'est dans ce sens-là, tu prends le hop au plus bas, tu reportes, voilà, et au breakout, tu peux venir chercher les 3,856 trillions de dollars. Moi, je pense pas qu'on va faire un cup and handle. Franchement, ça m'étonnerait. Maintenant, voilà, on va garder ça quand même. On va garder ça en mémoire. On sait jamais que ça peut arriver. Mais pour le moment, moi ce que je vois, c'est que tu as la moyenne mobile 25 qui est passée en dessous de la moyenne mobile 50, peut-être cross. Ici, bah, c'est pas folichon. Ici, c'est pas folichon. Le volume, c'est cette semaine-ci, mais le volume de la semaine dernière par rapport à celui précédent était même à la vente pas terrible. Donc, perso, sur le monthly, c'est pas exceptionnel. Si tu regardes sur le weekly, bah, sur le weekly, tu as ce petit cap and handle qui est quand même en train de se faire. Tu as quand même cette moyenne mobile 25 qui vient quand même supporter. Le market cap, par contre, tu as eu un dead cross juste là. Pam, 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 pam. Tu vois, tu as eu un dead cross juste là. Et ça sent pas bon, hein. Regarde ici, dead cross, ça chute, hop, ça remonte, puis dead cross, ça dum, 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 et puis ça doucement, c'est remonté doucement. Et là, ici, on a eu un petit pump, hein. C'est comme le Bitcoin, hein. Voilà, depuis octobre 2023, ça monte ici. Et donc, est-ce qu'on va corriger? C'est la même question. Moi, je pense qu'on va corriger, tout simplement, parce que tu as eu une belle montée de, comment dire, de volume ici, puis ici, c'est en train de se retourner, hein, tu vois, ça devient rond, hop, c'est en train de courber le dos, et puis ça va descendre un petit peu, puis ça va repartir. Donc, je pense que la dominance des altcoins va chuter. Encore une fois, n'oublie pas, moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto, je ne suis pas trader professionnel. D'ailleurs, si j'étais si bon que ça, je serais déjà millionnaire. Voilà, c'est juste mon avis. Et maintenant, on va regarder la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin, c'est BTC.D. Tu peux trouver ça avec Market Cap BTC, dominance. Alors, mais la dominance du Bitcoin, c'est pas compliqué. Elle ne fait que monter depuis le 5 septembre. Ça ne fait que monter. Tu vois, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Ça ne fait que monter. Mais par contre, on est quand même en train d'imprimer
Un biseau haussier, tu vois. Voilà, on a même une petite tendance ici, c'est en train de compresser. Tu vois, ça compresse dans ce biseau. Alors, est-ce que ça va casser à la hausse ou est-ce que ça va casser à la baisse? Compliqué à dire. Mais pareil, tu as aussi le volume qui est en train de chuter ici. Tu vois. Depuis qu'il y a eu les ETF, c'est assez compliqué. Bienvenue dans le monde de la bourse, tu vois. Les mecs qui ont fait les ETF, eux, ils se frottent les mains parce qu'eux, ils font aller le Bitcoin en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ils s'en foutent que le Bitcoin atteint 100 000 dollars parce que eux, ce qui leur importe, les traders professionnels, c'est faire du pognon chaque jour. Alors, donc ici, ben, la dominance Bitcoin, elle est quand même sur le point de monter. Mais les hauts sont en train de chuter et enfin, sont en train de devenir moins en moins haut. Ils continuent de monter, hein, tu vois. C'est un haut plus haut que le précédent, qui est plus haut que le précédent, qui est plus haut que le précédent. OK? Ça, il n'y a pas de souci. Alors, soit on voit ça comme ça. Et là, on est dans un. Voilà, on est toujours dans un biseau haussier. Tu vois. Et on peut avoir une sortie vers le bas. D'ailleurs, hop. Biseau ascendant bourse, voilà, hop, sortie de bidon. Ah, il n'y a pas d'image, ça m'énerve. Bref, j'aurais dû prendre Google, image, voilà. Ok, voilà, donc sortie de biseau, sortie de biseau, tu vois, t'en es vraiment dans la même optique. Et on casse vers le bas, encore une fois, tout ça c'est que de la théorie, ça s'applique pas toujours au Bitcoin. Mais bon voilà, ça c'est ce que je vois pour la dominance. Et la dominance est quand même supportée par la moyenne mobile 25, donc ça continue de monter. Mais tu vois bien que la moyenne mobile 25, si tu la prolonges, elle est en train de changer. Hop, elle va peut-être redescendre. Encore une fois, si la dominance Bitcoin chute, la dominance altcoin risque de monter, ou alors c'est des capitaux qui s'en vont. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vendent des crypto-monnaies maintenant qui a l'ETF pour pouvoir acheter l'ETF. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a des gens qui se disent, ouais, tu sais quoi, avec un ETF, c'est la fête, je préfère mettre l'argent dans un ETF, comme ça, la banque, c'est tranquille, c'est légit, et les taxes, c'est pas les mêmes hein, sur un ETF que sur le Bitcoin. Enfin, je pense qu'en France, en tout cas en Belgique, c'est pas la même chose. Donc voilà, je pense que c'est super important quand même de réfléchir à tout ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions sur la dominance du Bitcoin, sur la dominance. Des altcoins, c'était Will Temer pour le petit journal des crypto-monnaies. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, partagez un maximum. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.